retour sur l'actualité avec une semaine après l'annonce du confinement. Les hospitalisations sont en hausse de 60% en Nouvelle-Aquitaine, avec un taux d'incidence de 285 cas pour 100 000 habitants. Reportage dans ce journal dans un service de réanimation à Bordeaux. Un fonds de solidarité et des aides financières élargies suite à ce deuxième confinement. Lors du premier épisode, c'est 164 000 entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont bénéficié de fonds de solidarité. Un appel à la grève dans les écoles ce mardi 10 novembre. Les syndicats dénoncent le manque de protection des personnels et élèves face à l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé l'a annoncé, pas de nouvelles mesures de restriction, mais il a rappelé que le taux d'occupation des lits en réanimation était de 85% en France. Le CHU se prépare donc à affronter le pic de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, un pic annoncé dans moins de 15 jours, alors que les hospitalisations ont augmenté de 60% en une semaine. Reportage dans le service de réanimation de l'hôpital Saint-André à Bordeaux avec Bénédicte Douin. Sur les 14 lits qui composent le service réanimation de l'hôpital Saint-André, 10 sont occupés par des patients atteints du Covid-19, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Nous observons cette marée montante de patients depuis déjà plusieurs semaines et on sait, on pressent que l'augmentation va se poursuivre dans les semaines à venir. Moi, je partage effectivement cette perspective d'augmentation jusqu'autour du 15 novembre. Je n'imagine pas que ce virus va disparaître brutalement après le 15 novembre. Effectivement, je fais partie des gens qui craignent une pérennisation de l'infection et une pérennisation des admissions pour Covid-19. Des admissions pour Covid-19 dont la prise en charge a changé depuis la première vague. Dorénavant, l'objectif pour le personnel soignant est d'éviter à tout prix l'intubation. C'est des patients qui nécessitent une surveillance 24 heures sur 24. Et des soins 24 heures sur 24, hein, plus que de la surveillance. On est en réanimation, en soins intensifs. Ça demande une attention un peu de tous les instants. Le pic de l'épidémie est annoncé dans moins de 15 jours. 15 jours décisifs pour éviter l'engorgement du CHU de Bordeaux. Un CHU qui a choisi d'anticiper. Dans un établissement comme le nôtre, les choses ont été prises bien en amont. La réflexion a été menée et nous avons une possibilité d'élargissement en termes de lits, que ce soit à l'échelle de Saint-André ou à l'échelle de l'ensemble du CHU de Bordeaux. Et ça a été réfléchi très en amont et on a tout un plan de montée en charge et on est encore loin d'une saturation de notre système de santé sur Bordeaux. Depuis le début de l'épidémie, 4 décès sont à déplorer sur les 90 cas Covid reçus dans le service. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est actuellement de 285 cas pour 100 000 habitants. Dans la métropole bordelaise, ce taux est de 288 pour 100 000. En Nouvelle-Aquitaine, 164 000 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité lors de la première vague de l'épidémie. Au total, 530 millions d'euros d'aides versées. Avec ce nouveau confinement, c'est un fonds de solidarité et des mesures financières qui sont d'ailleurs élargies. Les conditions d'éligibilité au dispositif du fonds de solidarité ont été très largement assouplies, puisque je l'ai indiqué, elles concernent aujourd'hui les entreprises qui ont moins de 50 salariés, mais il n'y a plus de conditions de chiffre d'affaires ni de conditions de bénéfices. Antérieurement, il y avait une condition de chiffre d'affaires pour certains secteurs de 2 millions d'euros, inférieur à 2 millions d'euros, et le bénéfice pour pratiquement toutes les entreprises, il fallait qu'il soit inférieur à 60 000 euros. Aujourd'hui, ces conditions pour le mois de novembre sont supprimées. On couvre les entreprises qui ont débuté leur activité récemment, c'est-à-dire depuis le 31 août, alors que jusqu'à présent, il fallait qu'elles aient débuté leur activité au 31 mars. Donc on voit que une des mesures de renforcement, c'est d'ouvrir le champ d'accès aux entreprises au fonds de solidarité. La cellule d'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie est réactivée, une cellule d'aide pour les chefs d'entreprise pour leur permettre une bonne compréhension dans les aides proposées. Chaque collectivité, c'est normal, essaie d'aider directement les entreprises de son territoire. Je pense à la région, à la métropole, aux mairies, aux communautés de communes. Et c'est bien normal puisque les élus ont été élus pour ça, pour accompagner leur territoire et leurs entreprises. Ce que l'on a demandé ce matin avec Madame la Préfète, c'est effectivement de coordonner effectivement toutes ces accompagnements, toutes ces aides en s'appuyant sur la base qui est le plan qui a été mis en place par l'État. Toutes ces
tout l'argent qui est proposé par les collectivités et par l'État, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui vient de nos impôts. Donc essayons d'optimiser au mieux et ne créons pas des choses qui existent déjà. Il faut, dans ces périodes, être solidaire et essayer de faire en sorte que ça soit complémentaire et non concurrentiel. Le 0806-00245, c'est donc le numéro national d'aide pour les entreprises sur les dispositifs d'aide et d'orientation. Un appel à la grève dans les écoles ce mardi 10 novembre. Une grève dite d'avertissement. Les syndicats dénoncent le manque de moyens pour assurer la protection du personnel enseignant et des élèves face à l'épidémie de Covid-19 et assurer aussi bien le maintien de l'ouverture des écoles. Le ministre de l'Éducation a notamment annoncé hier que les épreuves communes du baccalauréat seraient annulées au profit du contrôle continu. Le soutien aux petits commerçants qui continuent plus d'une semaine après l'annonce de leur fermeture. Une course virtuelle organisée ce dimanche pour soutenir les libraires indépendants. Confinement oblige, les coureurs participeront à l'événement à distance en respectant la limite d'un kilomètre autorisée autour de leur domicile. Faire une course par écran interposé, c'est désormais possible. Organisateur d'événements virtuels, Pierrick Bizet a trouvé la solution pour que confinement rime avec solidarité. Lors de notre dernier confinement, on a effectué environ 6 ou 8 courses. On a récolté plus de 50 000 euros pour des associations, des fondations. Et cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas faire de dons, mais plutôt de favoriser, de faire connaître le site des librairies indépendantes pour que les gens aillent sur cette plateforme faire les achats de BD, de livres, etc., plutôt que sur les grandes plateformes en ligne. Particulièrement touchés par la crise sanitaire, les libraires contre-attaquent. Avec leur site internet librairiesindépendantes.com, ils comptent bien concurrencer les géants du web. Dessus, vous trouvez 10 millions de bouquins. C'est plus que chez le fameux concurrent américain. Et ça, malheureusement, il y a moins de monde qui le savent. Donc l'idée, c'est bien de dire oui, vous pouvez commander vos livres dans des librairies indépendantes. Oui, vous seront soit livrés gratuitement chez vous, soit venir retirer en point de vente. Oui, ça existe et c'est une solution alternative qui permet de soutenir le commerce de proximité, les emplois en France, des sociétés qui payent leurs impôts en France. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, l'idée, c'est de faire connaître notre service. Ce dimanche, jusqu'à 1700 coureurs sont attendus pour cette course virtuelle. Et attention, si vous prenez la route ce soir, dès 21h, la fermeture de la rocade en sens intérieur entre les échangeurs 9 Magudas et 7 Esine en raison de la poursuite des travaux de la mise à 2x3 voies. Des déviations ont été mises en place par la rocade extérieure et via le pont François Mitterrand. Voilà, restez avec nous, l'info continue sur TV7.